Nous ouvrons un chapitre sur la vie associative. L'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire a célébré son 40e anniversaire. Pour l'occasion, une rencontre s'est tenue à Abidjan et a rassemblé les jeunes avocats venus d'une quinzaine des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Europe pour ensemble, avec leurs confrères ivoiriens, discuter des défis et opportunités liées aux mutations de leur profession. Le récit de Walter Kofi. Réfléchir sur les mutations observées au niveau de la profession d'avocat avec l'avènement de nouvelles prestations juridiques et l'impact grandissant de l'intelligence artificielle dans le domaine, ce sont les défis majeurs que tenteront de relever ces jeunes avocats réunis au sein de l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, AJACI. Accompagnés par leurs confrères venus d'une quinzaine de pays, ils étaient en conclave durant 3 jours, durant lesquels ils ont partagé leur expérience autour de panels et conférences. Des travaux salués par le ministre ivoirien en charge de l'emploi, parrain de la cérémonie. Chers participants, mesdames et messieurs, le monde est en pleine mutation et est confronté à des bouleversements multiples auxquels la profession d'avocat n'échappe pas. Face à ces nombreux challenges, je ne serais pas juste si, à ma qualité de ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, je n'interpelle pas dès à présent mes jeunes confrères ici réunis sur un défi important pour eux, celui de se construire un socle de protection sociale afin de se bâtir une retraite heureuse et plus sereine. Fait marquant de cette rencontre a été la célébration des 40 ans de l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, AJACI, une maturité qui pour l'organisation s'accompagne de changements importants. Alors 40 ans, comme vous l'avez dit, c'est une génération qui prend fin pour laisser place à une nouvelle génération. Avant que cette nouvelle génération ne prenne place, il y a lieu de faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui constitue les acquis de cette association, identifier également les faiblesses, ce qui nous permettra de nous projeter. Et c'est dans cette projection-là que nous avons convié les jeunes avocats d'Afrique pour réfléchir sur les mutations que nous sommes en train d'observer au niveau de notre profession. Alors les conseils à leur donner, c'est déjà de se pencher sur ce qu'ils ont fait jusque-là. Et en termes de bilan, ils ne peuvent pas s'en satisfaire. Ils ne devraient pas s'en satisfaire. Il y a mieux, il y a toujours mieux à faire. Rappelons que l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, AJACI, s'est donnée pour mission de défendre les intérêts de ses membres et militer pour l'amélioration du métier d'avocat en Côte d'Ivoire. L'organisation porte des valeurs de loyauté, de vérité, de transparence, de délicatesse et de solidarité.